Please set your GP base. Ski particle, spray start. Contre-toi, Shenron. Différent, tu dis. T'es pas taillé pour tout ça, Rob. Tu oses venir ici et te foutre de ma gueule en plus? Faudra bien que tu le décides un jour. Et ce jour viendra bientôt. Allez, les géants! Bienvenue dans une nouvelle vidéo de TTF pour la présentation aujourd'hui d'une Fate Zero. Mais aujourd'hui, grande surprise, une Fate faite par Bandai Tamashii, que j'ignorais que d'abord Tamashii avait fait une version. Donc on a évidemment le personnage célèbre de Fate Zero, donc Cyber. Donc cette Fate, elle est quand même de 2013, voilà, donc elle n'est pas toute jeune. Donc je l'ai eu en passant sous-marin par quelqu'un en fait qui a arrêté la collection. Donc elle est neuve, neuve, elle est scellée. Donc là j'ai juste enlevé l'intérieur parce qu'il veut se concentrer un peu plus dans la Miklos. Donc je vais racheter certaines d'autres figurines qu'il avait en double et scellées. Donc voilà. Donc voilà pour comment va se composer Cyber. Donc évidemment on a un petit plateau, ce qu'on peut voir, voilà, avec évidemment, la coupe de cheveux, soit sur le côté droit, soit sur le côté gauche. Donc, on peut faire plusieurs propositions au niveau des poses. Voilà. Donc, du coup, dedans, qu'est-ce qu'il y a? Donc, voilà à peu près les blisters. Donc, le blister principal, on a le personnage Cyber avec trois visages, en fait, qui va regarder... soit sur le côté de son attaque, un visage un peu plus avec les dents, prêt à attaquer. Voilà, un visage un peu basique. Toutes les paires de mains, donc ça c'est son petit nœud qui est derrière les cheveux. Les fourreaux et les épées, en fait on a trois épées, puisqu'en fait Cyber, quand elle apparaît normalement, elle cache son épée, donc qui est Excalibur. Donc voici la version transparente. Parce qu'en fait, elle veut pas que les gens la reconnaissent qu'elle est le roi Pendragon, donc Arthuria. Donc, elle veut cacher son identité. Donc, pour cacher son identité, elle masque son épée. En fait, elle ne la révèle qu'au dernier moment quand elle fait ses attaques. Donc, elle révèle son identité, l'épée. Voilà, elle se présente comme ceci. Et là, quand elle présente son attaque Excalibur, évidemment, la lame est plutôt fluo. Voilà. Donc après on va voir ça. Ici, dans le deuxième blister, on a le fameux socle, évidemment, avec le cercle magique pour qu'elle ait de la force, voilà. Et dans le troisième, voilà, on a la suite du socle avec les pinces et puis un petit effet qui est pas mal, en fait, petit effet, je crois, un peu énergétique ou de flotte, on pourrait dire ça. Voilà, donc ce qui est pas plus mal. Hein. Donc du coup... il va falloir que je déballerai tout ça et puis après on va se montrer en station qu'est-ce qu'on peut faire en niveau pose de cette figurine, en niveau démonstration. Donc du coup c'est parti. Alors avant de procéder aux démonstrations un peu des poses, on va regarder à peu près cette Cyber en détail. Donc à la grande surprise, cette Cyber a des pièces métalliques, donc son plastron avant est métallique, la jupe elle est en métal, et ainsi que ici, je crois, au niveau des brassières, on l'entend, c'est en métal. Donc un métal léger, les pieds ainsi qu'ici, donc en fait, tout ça c'est aussi en partie métallique. Un peu, on a un mélange, on va dire, un peu comme une Miklos, hein, vous voyez à l'intérieur. Donc par contre, ce qu'on n'est pas trop fan, c'est le fait de ces jupes comme ça, là, qui... ça c'est Bandai,
Ça fait un peu couillon là, ces jupes qui se lèvent un peu comme ça. Donc il faut arriver à trouver une pose en fait de façon à ce que ce soit pas trop que ce soit comme ça, parce qu'il y en a qui ont tendance à mettre certains même dans les mycoses à mettre les jupes comme ça, mais en fait ça fait dégueulasse. C'est pas fait pour être comme ça, il faut que ce soit à peu près voilà, comme ceci, assez homogène. Soit tu mets comme ça ou alors tu écartes un petit peu. Après, la figurine a l'air, dans son sens, être stable. Donc ça va être un bon point. L'épaule. Alors, l'épaule est assez amovible. Donc par contre, on sent un vieillissement. Parce que vous voyez, il y a un truc là. Tout blanc. Je ne sais pas pourquoi le plastique il fait ça. Donc on a le visage. Voilà, qui est assez bien réussi. Derrière, donc ce qui est assez fidèle à la Saber. Le petit trou dans le dos en fait pour l'attacher, donc là aussi apparemment c'est du métal, de façon à attacher la fixation. Donc ça c'est assez bien étudié, que ce soit dans le dos, de façon que le personnage soit assez mobile sans gêner les points d'articulation. Donc, évidemment on peut le plier le bras à peu près comme ceci, donc ça va, donc ça tu peux tourner. Oui, on peut faire, hop, on peut tourner le buste. Ça va, tu peux faire un peu comme si elle avait mal au bras, machin. Donc, ça va, elle a l'air d'être assez mobile, cette petite saber. On peut un peu pencher, hop, relever la tête. Donc, elle a l'air d'être mobile. Stable, plus stable qu'une mycose, pourtant il y a du poids. Hein. Bah, normalement, quand tu as le bon point de gravité, elle se remet toute seule en route. Là, tu es sûr que tu as la gravité quand elle se met toute seule en place. Donc, du coup, ben, maintenant on va pouvoir passer à la batterie photo, parce qu'on a pu voir en détail à peu près la figurine. Voir qu'est-ce qu'on va pouvoir lui faire au niveau posing. Donc évidemment le mot posing, il y en a beaucoup qui l'utilisent, donc je fais une petite parenthèse, ce mot-là a été inventé par notre ami Mike Tigra, donc beaucoup de gens se sont aussi appropriés ce mot-là. Voilà, mais ce qui est à César, faut rendre à César, donc c'est quand même à Mike au niveau ce vocabulaire posing. Donc du coup on va essayer de lui faire les poses, donc que ce soit normal, dynamique. On va lui faire toute la batterie de ce qu'on a dans tout le blister, de façon à ce qu'on puisse voir les possibilités. Donc on va peut-être voir hop, les visages là. Voilà à peu près les visages. Donc un peu visage. Il a l'air un petit peu bizarre, semi un peu pas loin d'attaque, ou peut-être en colère. Parce qu'elle montre légèrement les dents, voilà, le visage, un autre visage un peu peut-être un peu plus neutral. Voilà, donc là on a toutes les paires de mains. Et là, voilà, toutes les épées. Là, la version transparente. Et voilà. Avec les fourreaux. Donc du coup, allez, on va se faire ça tranquillement. Et puis on va présenter notre petite Saber, la version de Bandai. Voilà, c'est parti. Je suis Saber, votre servant. J'ai entendu votre appel et je suis venu. Non, c'était autre chose. J'avais simplement perdu mes mots. J'étais figé, muet d'émotion face à la beauté de la jeune fille qui se tenait devant moi. Ah!
Laisse-moi d'abord te poser une question. Ton artefact, là, c'est une épée. Va savoir. Je pourrais très bien tenir une hache. Qu'en penses-tu? Une lance ou même, pourquoi pas, un arc? Arrête ton cirque, Cyber, hein? Nous voilà pour la dernière partie de la présentation et la conclusion de cette Saber de Fate Zero de Bandai Tamashii. Donc, est-ce qu'il y a des bons points, des mauvais points? Ça, je vais les dire dans quelques instants. On va présenter le manuel comme je n'ai pas pu le montrer au début. Hein, j'ai oublié, voilà. On a les jeux de main, voilà ce qu'on peut faire. On a l'arrière et le soc qui peut être démonté démontable en deux parties. Donc, voilà. Donc, vous avez pu voir par les batteries de photos qu'on peut faire de multiples poses de cette Saber. Et encore, je n'ai pas tout fait parce qu'on peut faire encore bien des poses au-delà. Mais bon, ça aurait duré un petit moment. Donc, je vous ai montré ce qu'on pouvait quand même faire en pose assez dynamique et un petit peu classe au niveau de la Saber. Qu'est-ce que je pourrais dire d'autre? Quelques, on va dire, points, on va dire, un peu faibles. Mais bon, c'est pas, si on fait attention, ça passe. Comme cette Saber, moi, j'ai l'impression qu'elle a été un petit peu, on va dire, conçue en partie comme une Miklos, on va dire, au niveau des féminins, au niveau comme Marine ou China. Je parle ici au niveau du buste, il faut faire gaffe quand tu veux faire une pose dynamique parce que ça peut se déboîter, c'est une petite boule. Donc faire gaffe un peu ça, et ça manque peut-être assez de force au niveau de la retenue. Mais après, vous voyez qu'elle est en pose dynamique, en plus, elle est dans la tâche, dans le dos. Donc là, j'ai fait en sorte que ça ne se voit pas. Les parties de l'jupe et ainsi que la pièce métallique sur le côté de la ceinture qui protège ses jambes et ses hanches et comme une Miklos, donc c'est à clips, donc il faut faire gaffe si tu forces un peu trop, ça se déclipse. Il y a juste ça, je dirais, là c'est un petit peu mou ici, vous voyez, ça manque peut-être un peu de rigidité. Parce que quand tu mets le pied, ça penche un peu, donc ils auraient pu le faire un peu plus dur, ça, Bandai. Et je pense qu'il manque un petit accessoire qui a fait peut-être la différence, puisque comme je l'ai dit, quand on voit Saber arriver, elle a son épée Excalibur transparente, donc elle veut cacher son identité, comme je l'ai dit au début. Et en fait, quand on peut voir dans les épisodes, enfin dans le petit passage que j'ai mis, il y a une petite aura au niveau de l'épée. Ça aurait été peut-être bien qu'ils mettent un petit effet que tu mets dans l'épée de façon à simuler une aura pour justement montrer la transparence de l'épée. Peut-être que ça aurait été pas mal, un petit effet. Vu qu'elle a des articulations ultra rigides au niveau des bras, c'est vrai que je pense que ce petit effet un peu comme ça, ça aurait été pas mal. De mon point de vue, à moi. Donc voilà ce que je peux dire, donc comme je l'ai dit, vachement articulé, donc, ici on peut voir, ouais, j'ai mis les jambes comme ça, vraiment en position d'attaque, là aussi le tout, voilà, j'ai mis la tige de façon, vous voyez, Saber est comme ça, et en fait on ne voit pas la tige, j'ai fait en sorte, voilà, que ce soit bien caché, vous voyez, elle est dans une pose assez dynamique, qui prépare son attaque Excalibur. Donc, elle a assez bien réussi hein, pour une Bandai. Moi, pour ma part, je trouve que je suis assez satisfait. Peut-être que le visage, un petit peu, comme vous avez pu voir, qui montre un peu les dents, je dirais qu'il n'est pas trop terrible. Donc, on va essayer de le montrer. Voilà, je dirais peut-être que ce visage, je ne vois pas trop l'intérêt. Voilà. Vous voyez?
Je trouve que celui-ci, je vois pas trop à quoi il sert. Voilà. Après, autant les trois autres, ça va. Mais peut-être celui-ci, je sais pas. Je l'accroche pas. Donc, je sais pas ce qu'ils ont voulu faire avec. Donc, en tout cas, bon, c'est quand même assez un bon point cette figurine. Voilà. Donc, très bien régie dans les articulations, multiple pose, donc ça va. Donc, elle est pour ma part assez bien réussie. Donc, s'il y en a qui veulent acquérir cette Fate, donc cette Saber de Tamashii, hein, voilà, ben, elle est de 2013, et ben, je pense que je peux vous la recommander. Enfin, pour ceux qui sont des gros fans de Fate, je pense que vous pourrez vous faire plaisir au niveau des poses dynamiques. Voilà, vous avez pu voir à peu près ce que j'ai pu faire en pose, donc on a une multitude de choix, d'autant plus qu'elle possède trois épées, la version transparente, la version normale, et puis la dernière qu'on avait fait Excalibur, plus deux fourreaux, donc on a une belle gamme de quoi faire, niveau pose. Donc sur ce, on se dit bise et ciao, à la prochaine pour une autre vidéo. Salutations!